pour la nouvelle génération. Nous dédier à COVID, nous l'avons dit.
un peu dans ce sens, et probablement la situation du conflit en Ukraine. Le troisième axe fort, puisque j'ai parlé de la raison et du cadre économique, nous avons le troisième axe fort qui est celui de la lutte sur la situation des personnes LGBT. Il a dit tout à l'heure que dès lors qu'on subit la barrière première, il faut aller aux barrières non tarifaires. C'est ce travail que nous faisons. Et vous voyez très bien qu'on peut voyager en Afrique et sur le continent. Je pense que mon collègue Patrick sera d'accord avec moi, puisque lui ou moi travaille avec le conseil avec la CEDEAO, vous n'avez pas besoin de soi, de toutes les formalités pour voyager dans un autre espace, dans notre espace communautaire. Donc c'est barrière, en dehors de barrière, non tarifaire comme ce qui malheureusement arrive au niveau des produits d'or, qui peut avoir des contrôles de capacité. Donc l'essentiel, on peut voyager juste avec son passeport sans visa et parfois même à sa telle quantité, prendre l'avion. Et c'est un travail donc inlassable qu'il faut continuer. Parce qu'avec le risque sécuritaire, certains pays, notamment du Sahel, ont obligé de renforcer ce passage frontière par quelquefois des contrôles de tout serrés. Et qui peuvent freiner le commerce à l'état communautaire. Le quatrième axe fort, c'est celui donc de la politique sectorielle. Nous avons, monsieur le gouverneur, en termes le premier élément, c'est les infrastructures sur lesquelles je ne reviens pas, puisque ça a été déjà dit. Le deuxième élément, c'est que nous avons la politique secteur privé, notamment la politique industrielle. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le port de compétitivité industrielle. Il faut éviter que tous les pays aient un autre industrie. Vous savez qu'à un moment donné, nous avons pu le côté de l'industrie textile, et pour la plupart, elles se sont effondrées. Chacun peut avoir son usine de ménage, chacun peut avoir son usine d'habillement, et ainsi de suite. Donc, il faut travailler sur les chaînes de valeur et avoir des points de compétitivité suivant dans la carte aujourd'hui. Je produis par plusieurs pays, ça ne sert à rien que tous les pays développent une industrie. Parce que même, il faut savoir que le public a un meilleur avantage comparatif. Et pourquoi pas? Ce n'est pas parce qu'on veut une matière première, on doit absolument la transformer sur place. On peut la transformer sur le voisin. Parce que ça peut être peut-être moins cher sur le voisin. Vous savez que la Corée du Sud, qui ne produit pas de pétrole, est un grand pays exportateur de pétrole. Parce qu'elle a décidé, elle a décidé de faire du stockage. Et jouer dans ce marché. Donc, c'est aussi ça. Et donc, la politique de compétitivité industrielle est importante. Nous avons aussi la gestion des coûts des facteurs, c'est-à-dire de l'énergie. Nous savons très bien ce que cela représente. Quand une usine va s'installer et qu'elle est obligée de se procurer un coût électrogène parce qu'il y a des coupures de capacité, sans oublier que les populations n'arrivent pas à accéder à l'électricité et lorsque l'énergie accède, cela devient très cher pour le portefeuille. Donc nous avons également à ce niveau une politique de compétitivité énergétique avec trois pôles énergétiques pour l'espace et pour lesquels il s'agira d'assurer une interconnexion parfaite de l'espace en profitant du potentiel énergétique que les pays disposent. Nous avons d'autres politiques sectorielles en matière agricole, en matière d'économie numérique, puis en support, ça a été dit, mais aussi en secteur productif. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le Mobile Money, qui est devenu un instrument de transactions financières, arrive à des niveaux extrêmement importants. L'année 2020, c'est pour 24 000 milliards de francs CFA pour les transactions. Par le monnaie mobile a généré plus de 2 milliards de transactions financières avec une valeur de 24 000 milliards de francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paysan qui est au fond de sa localité est capable d'envoyer des ressources et aussi d'en recevoir sans passer forcément par le système classique des banques de détail. Et cela aussi accélère les échanges au niveau intra-communautaire. Et c'est ce que nous essayons de faire en mettant une réglementation qui
favorise et facilite cela, aussi en évitant, n'est-ce pas, les concurrences. Désolé, monsieur le commissaire, il va falloir bientôt conclure. Voilà, très compris. Maintenant, nous avons le développement humain. Oui, le développement humain. Nous sommes en train d'organiser le niveau parce que nous travaillons davantage à partir d'ici. Nous avons le bac que nous sommes en train d'organiser, mais aussi, vous savez que dans les universités, nous avons aussi cette LMD pour pouvoir harmoniser les diplômes et aussi la formation. Sans oublier la formation professionnelle, pour que la même chose soit qualifiée. Donc, monsieur le ministre, je voudrais, avec votre permission, dire que, avec vous, là, et ceux qui sont donc dans le panel de cette semaine dans la salle, nous travaillons à renforcer la compétitivité de l'environnement des affaires dans la sous-région, pour que nous puissions être parmi nous, la CECAP et naturellement, parmi nous, l'intégration africaine de notre pays. Merci beaucoup, monsieur le commissaire.